L'autostart qui prend de la vitesse, l'Oueseca s'apprête à bondir. L'Oueseca qui, oh là, qui est au galop, s'apprête à partir vite et c'est Emeraude de Bay qui aura été la plus rapide. Emeraude de Bay qui prend un départ canon et qui va s'installer en tête. L'Oueseca au galop risque d'être disqualifié d'entrée de jeu. Très bon départ pour Eric Zehil et pour Joyner Sport qui accélère en dehors et qui va pouvoir prendre la tête. Joyner Sport qui a pris l'avantage pour se diriger vers le premier tournant. Emeraude de Bay qui est en deuxième position. Eric Zehil qui vient quant à lui au centre. Quant à Go and Boy, Ampiam et DSM, ils sont pour l'instant à l'arrière du peloton, un peloton qui va négocier le premier tournant avec l'avantage pour Joyner Sport suivi par Emeraude de Bay, les deux élèves de Benjamin Goetz qui sont aux deux premières places. En troisième position, c'est Eric Zehil. En quatrième position, Chanceka suivi par le numéro 3, Deus Zak. Ampiam et DSM est avant-dernière. Go and Boy est en dernière position. Il est loin, Go and Boy, loin notamment d'Emeraude de Bay qui pour l'instant profite du sillage de Joyner Sport qui fait beaucoup de rythme. Joyner Sport en tête, Emeraude de Bay deuxième suivi par Eric Zehil qui est en troisième position. Romain Dorieux est contraint de réagir maintenant avec Go and Boy qui tente de quitter l'arrière du peloton. Ampiam et DSM qui va probablement tenter de prendre son sillage. Tournant final bientôt avec Joyner Sport qui maintient le rythme en tête. Emeraude de Bay qui a pour l'instant un parcours de rêve dans son sillage. Eric Zehil qui est troisième. Go and Boy qui s'annonce maintenant. Ampiam et DSM est au galop. Tournant final. Joyner Sport avec dans son sillage Emeraude de Bay. Go and Boy qui s'annonce. Eric Zehil qui a peut-être encore la possibilité également de bien faire la ligne d'arrivée avec Joyner Sport en tête, mais Emeraude de Bay qui place son attaque. Go and Boy qui tente de venir également. Emeraude de Bay qui prend l'avantage à l'extérieur. Go and Boy qui tente de refaire du terrain, mais Emeraude de Bay a pris nettement l'avantage. Emeraude de Bay qui a peut-être fait le plus difficile devant Go and Boy qui a peut-être encore la possibilité de revenir. Eric Zehil est en troisième position. Emeraude de Bay qui maintient le rythme devant Go and Boy. Emeraude de Bay qui va résister jusqu'au bout à Go and Boy. Emeraude de Bay qui va s'imposer. Deuxième place pour Go and Boy. Eric Zehil.